transformation de African Museum. Et je trouve l'initiative très intéressante parce que ça nous permet un peu de mieux nous connaître, nous définir dans cette société. Ce n'est pas dans le sens on vient s'alarmer et tout. On apprend beaucoup de choses qu'on croyait même connaître. Mais là, on a des références, là, on a des personnes avisées. Et j'invite tous ceux qui, comme moi, sont friands d'histoire, de savoir, de connaissances, à venir. À la prochaine. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide, le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis moi, je pense que d'abord, c'est une très bonne initiative parce que actuellement, mon point de vue personnel est que nous connaissons les problèmes qu'on connaît actuellement en Afrique tout simplement parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, ignorants. On ignore notre histoire, on ignore d'où on vient, qui on est et où on est en train d'aller. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour la plupart d'entre nous, mais aussi pour nos enfants, de s'informer au maximum. Et il y a beaucoup de choses que moi je découvre maintenant, étant adulte, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'amener mes enfants dans ce genre de rencontres. Parce que pour moi, ces genres de rencontres sont très très instructifs. Ça permet aux gens d'apprendre, de se connaître, connaître leur histoire, et savoir alors quel genre de cheminement il faut avoir pour procéder et pouvoir faire en sorte que cette Afrique puisse enfin s'en sortir. Et c'est quelque part un peu, on est occupé ici à s'armer les uns avec les autres, on est en train de s'armer, de s'équiper, mais nous, ça ne doit pas se limiter seulement à nous, adultes, mais on doit être en mesure d'équiper nos enfants pour que eux soient mieux préparés que nous on l'était. En venant ici, et c'est pour ça que pour moi, si ces genres de rencontres sont des rencontres qu'il faut encourager, qu'il faut amplifier, qu'il faut essayer vraiment que l'information soit la plus répandue possible au travers d'un plus grand nombre. Et j'ai beaucoup aimé les débats, les échanges avec tout le monde, et aussi, bien entendu aussi l'équipe d'accueil qui a été très chaleureuse. Et on a été bien gâtés, bien choyés. Voilà, c'était nickel. Merci beaucoup à vous tous en tout cas pour l'organisation. C'était impeccable. Et puis toutes les lois de la logique, je vous dis science, sans conscience.